Coucou à tous et à tous, je reviens aujourd'hui pour un nouveau haul, un petit haul Nose. Donc j'ai dû étaler tous mes produits ici. Alors je doute qu'on voit très bien. Voilà mes petites trouvailles de chez Nose. Et oui, un petit sachet d'Yves Rocher puisque je suis passée chez Yves Rocher en rentrant à la maison pour aller chercher mon petit cadeau du mois. Enfin, j'essaye de ne pas le rater parce que souvent, je le rate en plus. Mais bon. Voilà, donc je vous présente mes petits produits. On va commencer par l'alimentaire. Donc, en alimentaire, j'ai pris des tacos comme ceci qui étaient à moins 50%. Donc, à moins 50%. Ils étaient à 1,60€ divisé par 2. Donc, en fait, 1,09€, pardon. Donc, en fait, j'en ai acheté 2 pour 1. Voilà. J'ai ensuite pris de la mayonnaise, le sueur mayonnaise, à, comme vous pouvez le voir, 1,39€. Et on a une bonne contenance, oui, une bonne contenance pour cette mayonnaise. Je pense qu'elle fera le mois. Voilà, j'ai aussi trouvé des jus vitaminés pour les sportifs. Voilà, et comme mes enfants font de l'athlétisme, voilà, j'ai pris du jus pour eux. À un prix très intéressant, puisque ces jus étaient à 2,50€. Ah, chez nous, on trouve souvent ce gâteau, la savane au caramel, délicieux, que j'ai payé 1,70€. Très intéressant. J'ai pris du Lénor. 1,30€, pas mal. Il n'y a pas beaucoup de lavage, c'est un petit, mais il y a quand même 22 lavages. Et j'ai pris du Sense, 99 centimes, pareil. Il y a 25 lavages. Petite quantité. J'aime bien les petites bouteilles parce que je les range facilement, en fait. C'est pour ça que j'ai pris des petites bouteilles. Quand je les ai vues, j'ai dit, oh, super. Pour moi, c'est parfait. J'ai trouvé, on va passer au maquillage et à la beauté. Donc, j'ai trouvé une petite mini palette de fard à paupières dans les tons vert, doré. Voilà, c'est beaucoup de vert foncé, vert clair. À 1,20€, donc je l'ai pris, c'était la seule. Voilà, palette multicolore. J'ai beaucoup aimé ces couleurs, en fait. Je mets pas beaucoup de vert, donc du coup, je me dis, c'est une palette pour essayer ces couleurs. Un savon de Marseille, je l'ai pris en rose. Mais il y avait plusieurs coloris, et il était à 1,65€, et c'est un savon de Marseille authentique. Et également ces petits ongles, ces petits vernis ongles couleur rose, kit à vernis et perles. Voilà. Et ça, je l'ai payé 1,99€. J'ai aussi trouvé un gel douche Marseille que j'ai payé. Il n'y a pas de prix. Mais je ne l'ai pas payé cher. J'ai dû payer 1,19€. Mes souvenirs sont bons. J'ai également pris ce produit pour les cheveux. C'est un produit qui donne du volume aux cheveux et de la matière. Je l'ai pris à 1,99€. Il y avait des gels douche aussi. Il y avait des gels douche vert et rose. 1,75€ et c'est de la marque Possibility. Voilà. Et en fait, non, c'est shampoing et bubble bath en même temps, ça fait les deux. Ça, c'est bien. J'ai repris ce gel douche aussi parce qu'ils sont super bons, j'adore. C'est vraiment un gel douche qui sent le Mustela. Vous savez, le gel douche pour les bébés, moi j'adore cette odeur et quand j'étais enceinte, ben, c'était une odeur que j'aimais énormément et puis que j'ai utilisé après pour mes enfants. Ben là, ça sent exactement la même chose. J'ai pris une crème hydratante pour les mains. Non, c'est une crème de jour, pardon. Donc pour la peau grasse et mixte. 1,99€. Donc ça vient d'Espagne, je ne connais pas. Mais bon, on va tester. On va tester. Oh, j'avais oublié. Une magnifique bougie dans ce coffret à bougies à la vanille que j'ai payé 3,99€. J'ai beaucoup aimé ce coffret, c'est vraiment la surprise du jour.
Et vraiment une belle odeur de vanille. Et j'adore la bougie. Elle est très jolie. C'est un grand contenant. On a également des sauces tomates salsa arrabbiata que j'ai payé 59 centimes. Et j'en ai pris 2. 59 centimes. Voilà. Et j'ai pris également cette sauce Uncle Ben's aigre douce à 99 centimes. Voilà. On va passer chez Yves Rocher. Ah, avant, 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 avant. Je voulais vous montrer également ce pyjama. J'ai acheté ce pyjama en soie de la marque. Je sais pas si vous voyez. De la marque Well. Taille 40. En plus, c'était ma taille. Il y en avait plusieurs. Hein. Ils ont un bel arrivage. Voilà. C'est une belle matière. C'est de la marque Well. Et j'ai trouvé également son haut. J'arrive pas à tenir la tablette plus le. Voilà, ça c'est le top. Faudrait le porter en fait. Vous n'arriverez pas à voir, mais bon. En tout cas, c'est une belle chemise. Avec son pantalon de la marque Well. Et je l'ai payé, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis désolée de tourner le. Bon, bref. En tout, j'ai payé 10 euros. Voilà, le pyjama, donc l'ensemble top et bas de la marque Well. Donc un prix très intéressant. Donc voilà, mes petites trouvailles de chez nous aujourd'hui. J'ai pas grand chose, mais bon, ça suffit. Ça suffira de toute façon. Puisqu'en fait, les choses reviennent chez nous. J'ai remarqué qu'à chaque fois, à force d'y aller, on entasse, et puis on a les choses deux, trois fois, donc ça ne sert à rien de les reprendre. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et restez connectés, puisque de nouvelles vidéos vont arriver. Et avant de finir, je voulais vous montrer donc, les gels douche que j'ai pris de chez Yves Rocher, les Jardins du Monde. Alors, c'est fleur de magnolia de Chine. Magnolia, il faut le voir. Ça sent super bon. Je l'ai sorti en magasin. C'est une tuerie. Et un acheté, un offert avec la carte Yves Rocher de ce mois-ci. Jardin du Monde également. Fleur de coton. Cotton flower. Et voilà. Donc, du coup, j'en ai payé qu'un. Ils étaient à 3,60 €. Et j'ai pu donc avoir la trousse du mois de ce mois-ci. La voici. Et pour 2,50 € de plus, j'ai eu cette petite trousse. Vous avez tout. Normalement, si vous inscrivez chez Yves Rocher, vous allez recevoir des cartes. En fait, tous les mois, vous avez une carte. Vous pouvez acheter un produit, n'importe lequel, sauf les produits avec les points verts. Et du coup, vous avez une petite réduction. Et des réductions, en fait, selon les achats que vous faites. Et puis, tous des petits cadeaux. Donc, dans la trousse, il y a ce petit Hydra végétal, donc c'est une lotion hydratante, genre micellaire. Une petite crème ici. Alors ça, cette crème, c'est quoi? Hydra végétal aussi, c'est que des produits de la marque Hydra végétal. Et là, j'ai encore un masque effet glacé. Voilà. Voilà, donc les trois produits de la trousse qui vont m'accompagner lors de mes petits séjours. Comme ça, je vais m'hydrater. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Encore une fois, à laisser des commentaires aussi, puisque j'adore vos commentaires, j'adore y répondre. D'ailleurs, je réponds souvent je mets souvent des petits commentaires sur les vidéos que je regarde, parce que j'aime bien faire des commentaires aussi. J'aime bien en recevoir, mais j'aime bien en donner. Donc, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre, et je vous dis à très très vite, et à bientôt sur ma chaîne, ou sur votre chaîne, qui sait. À bientôt les filles, bye, bisous, ciao.